Si vous me suivez depuis un moment, vous savez que j'adore les jeux vidéo, mais également la mode. Il y a quelques semaines, j'ai reçu une nouvelle incroyable de mon agent et vous allez voir que mes deux passions sont étroitement liées. Je vous emmène vivre tout ça avec moi. Tu es invitée donc à la Fashion Week. Voilà, donc bienvenue dans la famille Vuitton, ma biche. Mais c'est ouf! Bon les amis, on est arrivé au Cheval Blanc. Je suis toute excitée, c'est trop bien. Là, on est vendredi. Le défilé est mardi et donc je vais aller essayer chez Vuitton. Des tenues, ils vont m'aider à choisir. Je ne sais pas du tout ce qu'ils ont prévu. Je vous jure, je suis trop excitée, j'ai trop hâte. Le lieu est trop beau. Je sais pas si vous regardez comme c'est joli. C'est incroyable. Bon, putain, on va prendre un petit café avant, on est un peu en avance, histoire d'y aller tranquillement. Puis bah, je vous emmène avec moi sur tous les essayages, donc à tous, c'est maintenant. Donc en fait, vous m'avez dit ça, vous avez dit dynamique, je pourrais, t'as aucune nouvelle catégorie déjà. Vous allez bien? On va super. Super, ça roule. Petite vue. Ah, c'est joli. Waouh. C'est trop beau. C'est trop cool. Tu te poses là le matin avec un petit lit, ton petit matcha latte. Wow. En fait, tout rend bien. Ouais. Tu vois, tout ne peut qu'être beau quand tu essayes des choses ici. Ça, c'est la collection de... C'est Cruz. Donc, ça a défilé en mai à Isola Bella. On était dans les jardins et c'était tout le storytelling. C'est une héroïne qui sort du lac et qui prend son indépendance. Donc, c'est pour ça qu'il y a des matières un peu comme des algues. Ouais, ça fait très nymphe, quoi. Ouais. Ouais. Une naïade un peu. Tu l'essaieras quand même pour voir ce que j'ai ça donne porter. Ouais, ouais. Je suis très curieuse. Écoute, je pense que je vais commencer par celle-ci. Hein. Attends, mais j'avais pas vu la salle de bain. Wesh, c'est une salle de bain ça? C'est une salle de bain. Bon, allez, hop. J'essaye la combi tout de suite. On va essayer plein de tenues différentes. On va voir si vous allez avoir les mêmes goûts que moi. Vous avez le droit de noter dans les commentaires et on va voir si j'ai fait le bon choix. Normalement, j'ai une équipe de choc là avec moi qui va m'aider à choisir. Mais on va voir si vous avez les mêmes goûts. Je vais retirer tout ça. J'ai l'impression qu'elle est pile à ma taille. Alors, j'ai la première. Elle est... Oh, c'est super agréable. Ah, c'est hyper beau. C'est pile à la bonne taille, hein. C'est vraiment fine. Trop beau. Ouais. Oh non, c'est canon. Oh. Ah oui, c'est super, super joli. Et ça fait femme puissante. Ouais, j'adore. C'est assumer un peu femme de caractère. T'as pas une veste oversize? Je me... Oh, waouh. Ah, oh, c'est très cool. Ouais, il est beau. Ok, beau. Déjà, cette tenue... Ça c'est beau aussi, c'est super joli. Regarde les finitions, elles sont belles. Ok, bah deuxième tenue, petit look avec mon ami le pansement et mes bleus, parce que je fais des bleus tout le temps. Ça, ce pansement, et ça ce bleu est terrible, je ne sais pas comment je l'ai fait. Ce pansement est en prévention pour les bottes que j'avais juste avant, parce qu'elles me frottent. Mettez des trucs en prévention pour les blessures, n'attendez pas qu'elles arrivent, ne faites pas comme moi pendant 15 ans. C'est joli, mais je préfère la première, je pense. L'autre c'est plus soi, ouais. Ouais. Et celle-là, elle est tellement voluptueuse. Mais c'est très très bon. Est-ce que tu veux que j'essaie une des robes? Je suis très curieuse, moi. Ouais, moi j'ai... Je sais pas quelle orange. Couleur, tu non, penses même la naïade, elle est belle, mais elle est peut-être un peu fade. Ouais. Alors que l'orange... Orange avec un peu de rose. Il y a du rose dans ouais. Ses cheveux. C'est vrai. Et eh ben, je vais essayer ça tout de suite. Tout est précieux, j'y vais très doucement. Tu sais, j'y vais pas comme mon jean où je zip direct là, mais j'y vais très attention. Je suis si... J'ai flippé. Ouais, plus haut, c'est mieux. Mais je pense que je préfère toujours la première. Ouais, je préfère aussi la première. Complètement. Mais c'est bien pour l'expérience. Oui, ouais, ouais. Essayer. Très, par contre, c'est très beau le dos. Ah, c'est super joli le dos. Ah, ouais, c'est vraiment beau. C'est joli. Ouais, bon, pour l'instant, on est toujours sur la une. Hein. C'est toujours la une. Alors après, si je peux me permettre, ça. Oh, plus ça. Ça. Très beau aussi. Et les cuissards. Et les grosses bottes. Oui. Moi j'essaierais bien ça quoi, tu parce que très ça, très ça peut te ressembler. Cathy. Oui, oui, oui. Moi j'adore être très féminine, mais en même temps un peu rock. Avec une petite touche. Oui, j'adore. Ah, c'est chouette aussi. C'est vrai. En fait c'est très classe, en même temps ça fait très jeune. Et en même temps c'est affirmé. Ouais. Ouais. Ah, c'est très chouette. C'est beau hein. Tu veux pas essayer la monogramme Enfin, un moment très Vuitton quand même, juste pour l'essayer. Ouais, juste pour l'essayer. Elle est belle. Bien des boucles avec, hein. Oui. Les deux looks là, c'est dur de choisir. J'aime beaucoup celle-là, même avec la veste. Tu sais, ça casse le côté un peu rock. Mais non, comme ça, c'est trop beau. Est-ce que c'est confortable? Alors. Oh,
Wow. C'est très bien aussi. Très girly. Oh, j'adore. Elle est belle, hein. Ah ouais, non, c'est très très joli. Hein. Ah, je pense que c'est mon préféré. Ouais, moi aussi. Ouais, ouais, je pense aussi. Hein. Ah ouais, c'est quelque chose. Hein. Ah ouais, c'est très très beau. Mais le plus beau, c'est pas les bottes. Moi, je pense que c'est les bottes. Moi, mon préféré, c'est la robe avec les bottes. Ouais. De tout ce qu'on a essayé. Surtout que pour Marche, je trouve que c'est très très cool, c'est, très joli. Ouais, c'est plus normal. Et sans les chaussures. Avec la veste, quand t'arrives. Ouais. Ah, c'est chouette. Prise en flagrant d'Elite Flex, laissez-moi profiter un peu de sa salle de bain, je l'aurai pas deux fois. Ok, bah on a fini les essayages. Je suis trop trop heureuse et j'ai trop hâte d'être à mardi. Et là, du coup, moi il va se passer 4 jours. Et vous, c'est dans 2 secondes. Ça fait une heure qu'on est en travail. Je suis avec Laurine qui me fait un make-up, elle me rend belle. Là, on a le make-up pour. Bah pour la journée, parce qu'en gros c'est une grosse journée, là c'est dès le matin, le défilé c'est ce soir. Mais j'ai un défilé en début d'après-midi, et ensuite on enchaîne directement avec Louis Vuitton. Donc pour que ça tienne pour les deux, on tamponne. Et là du coup on a fait un make-up qu'on a choisi avant. On a accordé le make-up et la tenue, pas trop, selon Christina Cordula il ne faut pas, excusez-nous ma chérie. Et on a fait un gros smoky marron, et là les yeux. Ils ressortent de fou. Oh c'est quoi ça? C'est ma star. Hey. À l'aide. Je pensais. Attends, est-ce qu'on peut faire comme ça, tu sais? Comme ça là. Ouais, regarde. Bam, bam, bam. Wow. Hey, ça marche de ouf. Mais ça marche de fou. Hey, on voit les reflets et tout. On voit tout. Du coup, on a terminé le make-up. Laurine est trop forte. Vraiment, c'est trop joli. Je travaille qu'avec elle en général. Moi, je travaille avec d'autres make-up artistes, mais celle que j'appelle tout le temps, bah, c'est elle. Parce qu'elle connaît bien mon visage. Et je sais pas, j'ai matché directement. Elle est trop gentille, trop rigolote. On s'entend trop bien. C'était un coup de cœur. Donc, elle est venue à la maison. Là, elle est repartie parce qu'elle a beaucoup de taf en plus aujourd'hui. Elle court partout là-bas. Et là, nous, on est dans un van qui a été prêté par Louis Vuitton pour m'aider à faire la journée. Parce qu'aujourd'hui, on a une grosse journée. Là, on part au défilé Lacoste. Je rejoins Laurine pour me faire des retouches juste avant. C'est un petit chat, elle est trop mignonne. Ensuite, on assiste au défilé. Et ensuite, on file et on va très très vite au lieu du rendez-vous pour le défilé Louis Vuitton. Et j'ai trop hâte. En vrai, je suis trop contente. La journée, elle est dingue, elle est trop bien. Et des fois, je sais pas si ça fait relou, mais vas-y, je vais le faire quand même. Des fois, je repense à quand j'ai commencé tout ça. Et c'était il y a 7-8 ans déjà. J'étais dans mon petit studio. J'étais avec mon lit derrière, je faisais mes jeux vidéo en stream et j'aurais jamais pensé pouvoir être invitée, être amie de la maison Louis Vuitton, jamais j'y aurais pensé et je me sens extrêmement reconnaissante et je suis trop contente. Je suis contente aussi que vous suiviez toutes les aventures, je sais qu'on a fait plein de choses cette année et qu'on a changé plein de choses, c'est des choses que j'avais envie de faire. Mais je suis trop contente que vous suiviez tout ça et que ça vous plaise. Bienvenue aux nouveaux et aux nouvelles également, bienvenue à vous. Mais c'est trop bien, c'est, j'aurais jamais pensé, honnêtement. Et je me sens honorée, vraiment honorée, fière. Et c'est pas fini, on va faire encore plein de choses, je l'espère. En tout cas, moi je vous prépare plein de choses qui arrivent. Et tout sera fait avec le cœur, évidemment. Et surtout, il y a des surprises qui arrivent. Déjà là, aujourd'hui, c'est ouf. C'est juste ouf. Tilti, il a volé ma make-up artiste. Elle a trop le seum. Bah, de toute façon, quoi qu'il soit, une fois qu'on. Frérot, on voit plus rien. C'est vrai? C'est une singerie. Ah ouais, c'est ouf. Ouais, c'est vrai? C'est une dinguerie. Bien mieux. C'est magique. Le make-up, c'est magique. Okay. Bon, là, le défilé vient de se terminer. Donc, on rush pour aller au défilé Louis Vuitton. Donc, je vais me changer ici. Parce qu'on n'a pas le temps. Oh là là, la tenue. Ah, la tenue, elle est trop belle. Non, la robe. Qu'est-ce? C'est une beauté. Hop. Alors, les amis. Là, on est sur une évasion. Mais écoutez, heureusement qu'on allait vite retenter. Ok. Hop. Je suis en équilibre. Frère, les squats sauvent ma vie, tu m'entends? Hop. Oh, la robe, elle est bon. Super. Il va y avoir un sac. On va passer des baskets au talon. Hop là. Une femme Vuitton. 5 minutes avant, j'étais en grosse basket. Et non, je suis comme ça depuis ce matin. Et là, la technique, c'est que tu fais briller tes jambes.
J'adore. Quand t'as l'air hydratée, t'as l'air en bonne santé. Et après, faut que je cours, je crois. Merci, t'es trop belle, t'es trop gentille. C'est trop gentil. Faut que je filme, des bisous. Bisous, bisous. Bisous, bisous. Bisous. J'adore l'outfit, je l'adore. La robe elle est sublime, elle est tellement confortable. Là on est en train d'attendre que le show commence, normalement il commence vers 18h30. En général un show ça dure entre 15-20 minutes. Donc je ne sais pas vraiment à quelle heure on va terminer parce que des fois ça peut commencer un petit peu plus tard, etc. Donc là on attend, on a nos places. Là comme tu vois on a notre petite place. Je suis Madame Magla. Et donc en fait il y a les places de toutes les personnes qui sont à côté, que je vais rencontrer. Il y a vraiment ces personnes très gentilles et incroyables, donc j'ai très hâte. Madame, monsieur, le défilé va commencer dans quelques instants. Nous vous remercions de bien vouloir prendre place. Ça commence bientôt, je suis contente. J'ai trop hâte de voir ça. Si j'ai hurlé intérieurement quand j'ai vu Félix se défiler. Cette prestance, c'est beaucoup trop pour ce monde. Voir Oh Yun Jung et lui voulait juste que mon cœur s'arrête, en fait. De ce moment pour vous dire merci. Merci d'être là et de suivre mes aventures, de donner autant de force sur les contenus. C'est précieux pour moi et vous me permettez de vivre des moments hors du temps comme celui-ci et de rencontrer des personnes merveilleuses. J'aime ce que je fais plus que tout au monde et la jeune fille que j'étais à 15 ans doit être très très fière de voir à quel point je suis devenue heureuse et capable de dépasser sa timidité parce que ça part de très très loin. J'espère vous partager et vous faire vivre encore plein plein de belles choses. Merci. Bon, j'arrête de vous embêter avec mes moments à l'eau de rose et je vous laisse profiter un peu du défilé.
D'ailleurs, même si vous vous intéressez pas trop à la mode et que vous êtes à fond dans le jeu vidéo, c'est lui qui est derrière ces skins et cette collection capsule dédiée à LOL. Et même Lightning de Final Fantasy a rejoint les rangs Vuitton. Je me rappelle quand j'étais au collège et que les gens qui jouent aux jeux vidéo étaient vraiment mis à l'écart de tout. Ça avance petit à petit, il y a encore du travail à faire, mais ça fait vraiment plaisir. C'était trop beau. C'était vraiment très très joli, j'ai beaucoup beaucoup aimé. Je sais pas si parler là est une bonne idée vu qu'il y a beaucoup de monde, mais honnêtement c'était sublime. En fait, là ce que vous pouvez pas ressentir, mais que nous on a ressenti, je sais pas si ça te l'a fait, mais en fait t'as les vibrations de la musique et tu les ressens intérieurement. Je vous jure, c'est de l'art. Vraiment, vous pouvez vous moquer autant que vous voulez de moi. Je vous promets, en fait, quand tu vois les mannequins passer avec ce que tu prends dans les yeux, avec les couleurs, toute la matière, etc., et que tu sens tout trembler en dessous avec les lumières, je vous jure, c'est une expérience sensorielle. Et c'est merveilleux. Vraiment, c'était agréable à voir. Enfin, j'étais transportée. Et je ne sais pas si c'était le mood, mais j'avais l'impression d'être dans Dune. Je sais pas si ça t'a fait la même chose. Oui. En fait, j'avais vraiment cette impression de SF, un peu Dune. Complètement SF. Mais en même temps, j'avais l'impression des fois d'être dans les années 70-80 dans certains styles de vêtements avec les gros pulls roulés, avec les épaulettes, etc. Et même les couleurs, il y a une robe que j'adorais qui était verte et qui arrivait vers la fin qui est verte et noire. Je trouve qu'elle faisait vraiment avant les années 2000, justement. Et j'adore ce mélange. Ça se trouve, ça veut rien dire ce que je dis, mais je me comprends, d'accord? Mais en fait, j'ai beaucoup aimé le mélange très SF, très Dune. Peut-être même un petit côté un peu steampunk, aussi par les coloris très sable, tu vois. Et même avec les matériaux. Et le côté aussi où tu avais des choses qui étaient bien plus classiques, mais un peu revisitées. J'ai beaucoup aimé. C'est très Star Wars. Totalement Star Wars, c'est l'étoile de la mort. Ça, t'en prends plein les yeux quand même. On habite en région parisienne, mais on ne prend jamais le temps d'aller... Oups, sorry. Sorry. On prend le temps de rentrer dans les gens. Mais elle m'a reculé dessus. Oui, j'ai la preuve. T'as la preuve, c'est bon. Trop beau ça. Ah, c'est magnifique. C'est ce que je disais, on ne prend pas le temps de regarder les monuments, mais qu'est-ce que c'est beau. C'est pour toi ça? Non, clairement pas. Moi, je remercie mon moi du passé d'avoir prévu le gros t-shirt et le gros jogging de l'after. En gros, on sort de l'after qui était génial, vraiment c'était génial, c'est trop bien. C'était les 10 ans de Nicolas Gasquière chez Louis Vuitton. Et il y avait un concert, enfin c'était merveilleux, c'était vraiment trop trop bien. Sache que je vois absolument rien. Bon, on est rentré à la maison, il est 00h30. Je suis explosée, je vais pas vous mentir, je suis vraiment vraiment explosée. Mais c'était une bête de journée, c'était génial, c'était trop bien. Oui, j'ai mis mon cadeau de Noël. On me l'a offert à Noël. Monsieur derrière la caméra me l'a offert à Noël. C'est pas le meilleur cadeau qu'on ait pu te faire de ta vie? C'est le meilleur cadeau qu'on m'ait fait de la vie. Je vous jure, je l'utilise tous les soirs. J'ai l'impression de faire une sorte de séance de spa à la maison. Je sais pas si c'est utile, hein, mais moi je me sens bien. Mentalement, c'est psychosomatique. J'ai l'impression d'être utile à ma peau. Mais bref, c'était une super journée. Je me suis éclatée, c'était trop bien. Je me sens honorée d'avoir été invitée par Louis Vuitton pour découvrir ce défilé, en plus à l'occasion de 10 ans de Nicolas Gasquière du côté femme, dans la mode et le prêt-à-porter. C'était génial, vraiment. Je sais même pas si je suis vraiment crédible avec ce masque. Laissez-moi faire ma skincare, ok? Merci de me faire confiance et je vous dis à bientôt. Il y aura beaucoup plus de vlogs Louis Vuitton. On va vous amener dans plein de défilés, dans plein de choses. J'espère que vous êtes prêts. Je vais essayer de vous faire vivre ça un maximum autant que moi je le vis. Des bisous, soyez sages, soyez gentils, et puis je vous dis à très vite pour une prochaine vidéo. Bye bye! J'ai vu Sarah Paulson ce soir.